vous savez, vous nous envoyez des vidéos que nous avons plaisir à vous diffuser. Vous, la communauté Télématin, aujourd'hui, nous allons partir en voyage en Alsace, du côté de Célestat, pour rencontrer une archiviste. Et cette archiviste, elle s'est lancée dans un travail de mémoire sur la période si particulière que nous avons traversée. Regardez, elle vous en parle. À Célestat, petite ville du centre Alsace, le confinement est arrivé le 17 mars comme partout en France. Au niveau des archives, nous avons été confrontés à une période d'inactivité avant que le télétravail ne se mette en place véritablement. À ce moment-là, j'ai réfléchi à plusieurs façons de m'occuper et donc c'est en naviguant sur Internet et en allant voir les pages des différents services d'archives pour voir un petit peu quelles étaient leurs activités pendant le confinement que j'ai vu cette idée de collecte des archives du confinement. Une fois validée, l'opération confinée a démarré assez timidement. Je pense qu'il fallait un temps de réaction à la population pour s'approprier le sujet. Nous avons eu pas mal de témoignages. L'opération confinée pour garder les traces pour la mémoire collective se poursuit toujours. Elle pourra être continuée encore pendant quelques mois, même quelques années. Les archives seront toujours prêtes à recevoir les témoignages de la population à travers des textes, des images, des dessins ou des films. Vous aussi, envoyez-nous vos vidéos à l'adresse suivante, montelematin@francetv.fr. Regardez si c'est bien fait, aussitôt dit, aussitôt affiché sur l'écran.